Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les 44e Olympiades qui se déroulent à Chennai en Inde. Donc au programme, je vais vous montrer une partie de Wesley So contre Melkumian de l'équipe d'Arménie. Je vais également vous faire une rapide rétrospective des résultats de la ronde 8 ainsi que le classement et les appareillements de la ronde 9. Donc j'ai choisi de vous montrer cette partie de Wesley So puisque ici il tend un joli pièce tactique à son adversaire. Et malheureusement, euh, son adversaire n'a rien vu venir. Et la beauté du piège tactique méritait de faire euh, cette vidéo. Donc, nous allons euh, tout de suite commencer. Donc, c'est une défense carocane. Ici, Ouest-les-Sauts à les blancs. Et il débute la partie par E4. Voilà. Donc, E4, C6. Et la cavalier C3 donc d'habitude on joue D4, mais ça c'est un système tout à fait correct, D5, cavalier F3, donc de nombreux grands maîtres, même Bobby Fischer a déjà joué ce genre de système, ici on n'occupe pas le centre, et là évidemment les Noirs ont trois alternatives, soit ils poussent le pion en D4, soit ils prennent en E4, soit ils jouent fou G4, qui est le coup le plus connu ici, l'idée c'est d'échanger évidemment le fou contre le cavalier, et ensuite de fermer toutes les cases blanches par E6, donc h3, fou prend, dame prend et e6. Voilà. Donc ça c'est une thématique assez connue aux échecs. Quand on donne euh, sa paire de fou, après on verrouille euh, sa structure de pions sur les couleurs de la case du fou euh, que l'on a échangé. C'est-à-dire que c'est les pions qui font euh, office de fou, on va dire entre guillemets, pour contrôler euh, les cases blanches. Donc euh, fou e2, tout ça est bien connu. Fou c5. Donc je m'éternise pas sur l'ouverture. Euh, petit rock. Cavalier D7, et là, prise en D5, prise en D5, donc on a la paire de fous, on ouvre le jeu, et tour 1, évidemment, pour jouer D4, et tout simplement pour jouer au centre. Cavalier F6, D4, fou E7, fou D3, donc le fou se dirige sur l'aile roi, petit roc, fou F4. Donc c'est une position très solide de la part des blancs, sans problème. Et ici, évidemment, on peut jouer sur la case E5 et on peut essayer de jouer à l'aile roi donc euh, je ne sais pas si vous avez remarqué cette position au niveau de la structure de pion c'est une structure Carlsbad absolument, hein, vous pouvez regarder comme les positions du, du Gambidam. c'est une structure Carlsbad avec la colonne semi-ouverte E contre la colonne semi-ouverte C donc vous voyez c'est une structure qui arrive assez fréquemment euh, après de nombreuses ouvertures donc ici cavalier B8 donc le cavalier va se diriger sur la case C6 cavalier E2 cavalier C6 C3. Donc euh, c'est Wesley So il joue vraiment d'une façon très très solide et pour conserver un tout petit avantage et sans prendre euh, voilà véritablement de risque, il attend de voir comment les noirs vont euh, se développer. Donc tour E8. Alors dans ce genre de position, j'ai pas dit qu'il fallait jouer ça mais dans ce genre de position euh, de jouer B5 et B4 pour faire une attaque de minorité est toujours bien bien joué. Mais là il y a un problème c'est que bah, le fou qui est en F4 contrôle la case B8. Donc si on veut faire une attaque de minorité, je ne vais pas dire qu'effectivement tour 8 est un mauvais coup, mais il y avait peut-être une autre alternative ici, c'était peut-être euh, de jouer euh, le fou sur la case D6, et ensuite euh, pour couvrir la case B8, et après peut-être euh, essayer de faire une attaque de minorité. Ça aurait peut-être été un plan euh, correct, euh, un autre plan. Mais en règle générale, c'est un plan qui est assez récurrent sur la structure Carlsbad. Donc revenons au coup de la partie, c'est le coup de tour 8. Ici, il y a eu euh, tour 1, G6, cavalier G3. Donc euh, là, on joue des coups, euh, on attend, il n'y a, a pas de, de coups vraiment très très forts et, et des coups qui, on va dire, qui introduisent une initiative d'un côté ou d'une autre. Donc est, on est sur un stade d'observation, il n'y a rien du tout. Quoi. Cavalier D7, tour 3. E5, voilà. Donc, ici, les, les noirs ont décidé, ça y est, de, de jouer E5. Donc, ça y est, ils ont décidé de, de brusquer un petit peu les, les choses dans cette position pour activer, évidemment, les pièces. Évidemment, le coup euh, E4 est menacé. Et là, Wesley So il joue vraiment un coup hyper étrange et il joue Fou H6. Et là, son adversaire, il a dû réfléchir, 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 réfléchir. Il dit, mais attends, il y a, il y a le E4 quoi, qui fait une fourchette. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais pourquoi Wesley So il se prend une fourchette en E4. Son adversaire, il a dû passer du temps, parce que faire une fourchette à Wesley So à une fourchette de pion, euh, non, il devait y avoir quelque chose. Mais son adversaire n'a pas vu, et il a joué euh, E4 quand même. Et en se disant, ben voilà, j'ai sûrement une position gagnante. Et il a raté ce coup fantastique de Wesley So et qu'il fallait absolument voir, voilà, voilà, c'est la tactique du jour, un hein. tour prend E4, coup fantastique. Et que se passe-t-il après Pion prend un 4 Eh bien, sacrifice de dame. Dame prend F7 échec. Roi prend F7. Fou C4 échec. Le roi vend un F6. Cavalier prend un 4 échec. Le roi n'a encore qu'une seule case. Roi F5. G4. Le roi n'a encore qu'une seule case. Roi ici. Tour 1 échec. Le roi a encore une seule case. Et Fou Mat. Magnifique tactique de Wesley qui euh, a, a tendu un piège magnifique. Et après, tour prend un 4, évidemment. Donc, je remets la position. Après, tour prend un 4, son adversaire est foutu. Il a un bon pion de moi. Le pion D5 est isolé. Et il a réussi son petit pari. Voilà, dans cette position, c'est magnifique. Donc, on va rapidement regarder la suite. Son adversaire devait être très très déçu d'avoir une position perdante au bout de si peu de coups. Donc après, cavalier, son adversaire, donc il n'a pas pris E4, parce qu'après, il a réfléchi, il a vu Dame F7, donc il a joué cavalier F8, et là, après, Wesley, qui est très très fort, il n'a que développé, donc tour F4, il attaque F7, et après, F5, bah, il sacrifie, cavalier prend F5, pion prend F5, tour prend F5, et là, effectivement, il y a trois pions pour la pièce, mais le roi est complètement dans les courants d'air, le pion D5 va tomber, cette position est catastrophique. Donc, il essaye de se défendre avec Dame D6 en attaquant le Fou H6. Et là, tout simplement, Dame G4. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas mettre la Dame en G6 pour couvrir parce que sinon, il y a Tour prend F8 et on perd la Dame avec le Fou D3. D'accord Donc, euh, ici, euh, le coup qui a été joué, c'est Cavalier G6 et Boum, Tour prend D5. Évidemment, euh, deuxième sacrifice, si la Dame prend, il y a Fou prend G6 qui est très très fort. Hein, évidemment. Donc, ici, il n'a pas pris, il a joué dame f6. Et après, alors la seule défense possible euh, ici des noirs, c'est d'aller mettre la dame en h4 pour un peu brusquer les opérations et essayer d'échanger les dames. Dans cette position, il n'y a rien de concret au niveau tactique. Positionnellement, on est gagnant, mais il n'y a, a pas de combinaison. Donc, ici, Wesley Slow joue tout simplement g3 et il vient contrôler toutes les cases de l'aile roi. Donc, dame h4 n'est plus possible. Et les noirs n'ont pas, ont pas des, une position très facile à défendre. Donc, ici, il y a eu Fou F8, la tour est venue en F5, on attaque la dame, la dame est venue en E7, Fou C4 échec, le roi est venu en H8, et là, il y a eu Fou G5. Et là, il a abandonné. Pourquoi Parce que tout simplement, le prochain coup, la, la tour va venir, si la dame va en C7, par exemple, la tour va venir en, en F7, et après, il y aura Fou F6 qui va gagner tout de suite. Donc, la dame ne va pas aller en, en C7, puisqu'il y a Tour F7, donc la dame va aller en D6 mais là il y a tout simplement tour F6 et la dame n'a pas de casse c'est tout, c'est terminé voilà donc il va se passer dame C7 et après dame C7 tour F7 et c'est terminé on peut abandonner puisque le prochain coup ce sera fou F6 échec et après il y aura une découverte avec la tour voilà une très jolie tactique de Wesley So passons maintenant au résultat de la ronde numéro 8 intéressons-nous maintenant au résultat de la ronde 8 donc l'Arménie a fait encore un très bon résultat en battant l'Inde, 2,5 à 1,5. Donc euh, l'Arménie est toujours en tête et vraiment très surprenante, je ne la voyais pas si haut, mais bravo à eux. De, une belle surprise aussi, les USA ont perdu contre l'Inde 2, avec encore une magnifique partie de Koukesh qui a battu Caruana, euh, euh, et Lerner euh, Dominguez qui a perdu aussi. Donc, euh, très grosse surprise, l'équipe d'Inde euh, fait mieux que l'équipe d'Inde 2 gagne ce match et va sûrement fi finir devant la première équipe, parce que cette équipe est aussi forte. Ensuite, euh, à la table numéro 3, l'Ouzbékistan continue aussi ses très bons résultats en battant l euh, la bonne équipe euh, d'Allemagne. Le Kazakhstan, qui avait fait des Olympiades fantastiques jusqu'à maintenant, ça, cette fois-ci s'est incliné contre l'Azerbaïdjan. Donc euh, l'Azerbaïdjan euh, a une très forte équipe et donc euh, bah, voilà c'est un résultat logique. Donc euh, les Kazakhs, euh, leur rêve peut, peut s'arrêter, mais bon, euh, il reste encore des rondes. L'équipe de Hollande a battu l'équipe de Hongrie et l'équipe d'Iran euh, a battu l'équipe de France. Alors c'est dommage parce que c'était une équipe qui était à leur portée et malheureusement euh, Mathieu Cornet s'est incliné au troisième échiquier. Mais comme je viens de le dire, ces Olympiades ne sont pas euh, terminées et les blancs, euh, peu, euh, les blancs, les Bleus peuvent revenir euh, facilement euh, sur un podium. Mais maintenant, il va falloir jouer très serré. L'équipe d'Ukraine a battu le Brésil 2 à 2 et la troisième équipe d'Inde s'est inclinée contre le Pérou. Donc voilà pour euh, les résultats de la ronde 8 sur les premières tables. Maintenant, on va euh, regarder le classement. Donc l'Arménie est en tête. Avec 15 points. Ensuite, vous avez l'équipe d'Inde 2 qui est juste derrière et l'Ouzbékistan, une équipe très très surprenante et qui est à la troisième place. Après, vous avez les Hollandais, les Iraniens aussi, c'est la surprise, on ne les attendait pas euh, aussi euh, dans, 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 dans ce classement aussi haut euh, après 8 rondes. L'Azerbaïdjan a évidemment a fait, a fait un tournoi très très bon. Les Indiens sont un petit peu décevants, la première équipe. L'équipe de Turquie est aussi est très très bien placée et c'est aussi une surprise. Et de voir les Américains 9e, ça c'est pas, euh, pas top. Voilà. Donc, euh, et l'équipe de France a, a perdu beaucoup de rangs et se retrouve maintenant à la 17e place. Donc là maintenant il va falloir euh, marquer. Voilà pour euh, le classement après 8 rondes. Donc on va regarder rapidement les, les, les appariements de la ronde 9. Donc l'équipe d'Inde. Ça c'est très très intéressant et c'est un gros match qui est très intéressant. et Moi, je vais le regarder. C'est l'équipe d'Inde contre l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan aussi qui joue contre l'Arménie. Alors ça aussi c'est un gros gros match et surtout la partie Abdusaturov contre Sargissian. j'espère que en plus Abdusaturov joue vraiment toutes ses parties à fond. Donc je pense que ça promet du spectacle. L'équipe de Néerlande joue contre l'équipe d'Iran. Là aussi c'est un gros match. On va euh, continuer. Donc ici, l'équipe de Grèce joue contre les Américains. Donc là, cette fois-ci, les Américains devraient gagner leur match sans trop de problèmes. L'équipe d'Inde joue contre le Brésil. Là aussi, les Indiens, les, qui la première équipe, devrait remonter. La Lituanie joue contre les Allemands. La Turquie joue contre le Pérou. Le Kazakhstan joue contre la Serbie et le Danemark joue contre l'Espagne. L'Australie euh, joue contre l'équipe d'Ukraine. Les Argentins euh, jouent contre les Anglais. Et euh, l'équipe de France, une équipe composée donc, de Jules Moussard, de Cornette, de Maxime Lagarde et de Maurizi, joue contre Cuba. Et ça, euh, ce n'est pas forcément un bon, bon tirage pour les Français, parce que l'équipe de Cuba est une équipe surprenante et une équipe euh, assez forte. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.